Ce soir, Planète Rap Soprano. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est déjà la deuxième soirée avec Soprano, chasseur d'étoiles. Nous sommes toujours dans le vaisseau. Yeah. Je suis accueilli dans ce vaisseau. Avec voilà. Grand plaisir, merci de m'accueillir dans ce vaisseau. Bienvenue dans ce vaisseau. Incroyable, dans le frégate. Le frégate. On est dans le frégate. Voilà. Avec l'équipe, je te laisse faire les présentations. L'équipage au complet. L'équipage. Non, pas au complet. Il y a l'autre moitié, ils viendront en fin de semaine. Là, nous avons Jaresma. Nous avons Zach. Avons Diego. Monsieur Carlton. DJ. Carlton. Quel bel équipage, franchement. Quel équipage, absolument incroyable. Bon, tout va bien? Impeccable. Tout se passe bien, l'album est sorti vendredi. Il s'appelle Chasseur d'étoiles. C'est un petit retour en arrière dans les années 80. Voilà. Même d'ailleurs qui va plus loin que ça, puisqu'il y a un morceau qu'on va passer tout à l'heure qui s'appelle Bruce Lee. Bruce Lee, c'était quand même plus années 70. Oui, mais c'est vrai que quand même l'acteur, les films, c'est vrai aussi. Mais pour nous, je sais pas, on a regardé ça pendant les années 80, on faisait que regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on t'entend pas. Non, mais ouais, c'est années 80, début 80, genre les films, ils nous ont marqués à cette époque-là, genre je veux dire. Et en plus, même musicalement, on a essayé de faire comme les prods des années 80 où on mettait des, comment ça s'appelle, des breakbeats. Donc on a retravaillé un peu les breakbeats et Jalil, il a mis le côté, Jaresma a mis le côté un peu asiatique par rapport à Bruce Lee. Jaresma. Voilà. Ah, c'est DJ Jaresma? Non, c'est Jaresma. Ça, c'est une autre anecdote. Jaresma. C'est quoi? Jaresma. C'est comment, man? Non, mais il a beaucoup travaillé, il faut le dire. Ah oui. Comme vous tous. Bien sûr, mais Jaresma. Mais se replonger. Est-ce qu'il y a eu des petites découvertes, d'ailleurs, des petits souvenirs, je sais pas, de morceaux qu'on avait oubliés, ou de films qu'on avait oubliés? Vous dites, oh putain, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Ben ouais, on n'a eu que ça pendant toute l'année. Mais on est tombé sur un truc, par contre, en faisant nos recherches. Quand Michael Jackson et Lionel Richie, ils étaient en train de faire We Are The World, on est tombé sur une vidéo, pendant une vidéo de 1 heure, je crois, 50 minutes, ouais. Où tu vois la conception de ce morceau, l'arrivée des artistes, comment ça se passe dans le truc. Tu pètes les plombs. Et du coup, on était en train de regarder ça, on analysait un peu les trucs et on est tombé sur plein d'autres vidéos de plein d'autres artistes à cette époque-là. Est-ce que vous aussi, d'ailleurs, en studio, ça a été aussi beaucoup de tests? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morceaux faits pour cet album Soprano? Il y a un volume 2 qui va sortir après. Il y a beaucoup de morceaux. Beaucoup. Mais je crois que c'est l'album où on s'est le plus amusé. On a trop rigolé. On a des dossiers sur Carlton, tu sais, c'est trop. Il est sorti du vaisseau. Il s'est barré du vaisseau. On va revenir sur ça. D'ailleurs, tiens, demain, je tiens à préciser, il va y avoir 1 heure de mix et on va revenir sur tous tes morceaux, Sopra. Yes. Mixé par Carlton. Yes. Franchement, on va se régaler demain soir. Ah là là, il y en a des morceaux là. Parce que Sopra doit aller donner un peu de force à une jeune radio. À une jeune radio associative, donc on va en profiter. On va en profiter, nous pour profiter justement de Carlton. Avec Monsieur Carlton, on va se régaler demain soir entre 20h et 21h. Vous pourrez rester, vous, les gars. Vous serez là demain. Je suis avec toi, frère. Voilà, jusqu'au bout. Frédérico, toujours. Comme j'ai un bon plan pour toi, donc je serai là avec toi. C'est vrai? Ouais. Je parlais avec beaucoup de rappeurs à Marseille, là. On va te refaire à la façade des dents et tout, bien tout. Ah ouais, c'est ça. La dernière fois, j'ai fait un clash avec Tabiti là-bas, je l'ai tué déjà. Tabiti, c'est le sang. Il a voulu me clasher. Et les images sont dispo, hein, sur. C'était lors du dernier Planète Rap de Jul, incroyable. On a vu ça. Alors, on va attaquer avec Dunk, c'est parti, coup d'envoi de ce Planète Rap avec Sopra. Accompagné que de ding 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 ding.
suis pas comme ça, yeah, yeah. Skyrock et c'est Planète Rap avec Sopra, yeah. Chasseur d'étoiles, le morceau dingue. Et puis il y a aussi une émission de télé qui va avec d'ailleurs vendredi soir. C'est ça, vendredi. Incroyable. Eh ouais, c'est un truc de fou. Ah c'est un truc c'est de encore fou. Un truc de fou. Dinguerie, ouais. Papy. Dinguerie, papy. Le vaisseau s'est posé sur TF1. Eh ouais, en fait, on va raconter vendredi comment s'est passé notre atterrissage. C'est pas très passé bien. Aussi bien que qu'on peut le penser. On a eu un problème, le vaisseau, il y a une pièce qui s'est cassée. Merde. Et on s'est retrouvé dans les années 80. Et on a cherché, on est tombé sur ton pote Camille Combal. Ah, pour j'adore nous Camille, aider. J'embrasse Camille, très fort. Voilà, voilà, il nous a aidé pendant, à retrouver cette pièce qui nous a ramené en 2021. Et ça, c'est, voilà, ça passe vendredi. Et oui, c'est un truc de dingue parce que quand même, c'est une émission spéciale, Prime spécial moi, tu vois, spécial album, c'est incroyable. T'imagines? Là, c'est, ouais, c'est la première chaîne. Même déjà sur The Voice, quand t'arrivais sur The Voice en tant que. C'est un truc de fou. En tant que juré. Ouais, incroyable. C'est un truc de fou. Voilà. Mais je suis content parce que tu as vu, vraiment là, l'émission, on l'a travaillé nous. Tu vois, on l'a travaillé nous, ils nous ont beaucoup aidés. Et franchement, ça tue de pouvoir proposer des contenus, de pouvoir proposer quelque chose avec des concepts. Et là, en plus, avec le concept de l'album, donc ça déchire. Et puis l'album, il sera aussi hein, sur scène, à pas louper, à partir du mois de juin. C'est ça. La tournée des stades, allez voir voilà. Sopra, allez vous régaler. Les stades, à chaque fois, c'est un truc de moi aussi. Je me souviens des tout premiers stades, le Vélodrome et tout. Ah ouais, on avait. Quel moment c'était incroyable. Dingue, ouais, c'était ça, dingue. J'étais jeune, j'étais frais, j'étais fougueux. Ce qui est fou, c'est qu'on faisait des petites salles et c'était déjà des trucs de fou. Et à chaque fois, ça augmente un peu les capacités. Bon, là on est dans des trucs de fou, là. Non, et puis on peut le dire, il y aura un décor, je suppose, absolument incroyable. Enfin, voilà, oui, scénographie. On bosse dessus, quoi. Voilà, là, il va y avoir une scène centrale. Une scène centrale, mais il va voir plusieurs autres scènes dans le stade. Donc ça va être un peu, ça va être Disneyland. Voilà, il va y avoir plein de trucs qui vont venir d'en haut, d'en bas, de tous les côtés. Il va être télétransporté à des endroits. Ça va être un peu, voilà. Mais en tout cas, ça fait un an et demi qu'on travaille sur la scène et avec Monsieur Julien Mérès, que je lui fais une. Ah Julien, pareil, ça alors super gars aussi. Julien, moi je l'ai connu à l'époque des Urban Peace, s'occupait d'Urban Peace. Mais oui, c'est mon binôme, Bien sûr. Depuis maintenant, mais ça fait longtemps, depuis Cosmo même. Et du coup, on a travaillé ça pour que les gens puissent venir au concert. S'amuser avec nous. Parce qu'on s'était dit que la dernière fois que j'étais au stade, le public me voyait, j'étais tout petit. On s'est dit, on va essayer que les gens nous voient de près et puissent faire la fête avec eux, avec nous, et qu'ils puissent profiter du show. Voilà, on va essayer de faire ça. Loupez pas, c'est à partir du mois de juin, ça ira jusqu'au 2 juillet au Stade de France aussi. Yes. Tu vas passer par Lausanne, tu vas passer par Lyon, tu vas passer par Marseille. Marseille, Bordeaux. Oui, bien sûr. Lyon et Bordeaux aussi, c'est important, Stade de France et Lausanne aussi. On va écouter un morceau extrait du projet. Dans un instant, nous allons faire un petit jeu. Oui. Qui connaît le mieux les lyrics de Soprano autour de la table? Oh, alors moi, c'est mort. Hein. Ah, je suis nul. C'est les tiens. Eh, je sais, mais je suis nul. Ah, donc tu vas quand même jouer. À mon avis, celui qui va gagner, à mon avis, c'est Fred.
Tu penses? Ouais. Il a une bonne mémoire. Ouais, il a une bonne mémoire. Quand il a bu deux verres de rhum, il a une bonne mémoire. Ah, tu as les réponses, il ne peut pas jouer. Non, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ah, putain, direct, il a. Ah, voilà, non, j'ai. Ah, merci, non, au contraire, moi, si vous voulez, je joue. Je vais, femme. Si vous voulez, je joue. Oui, tu joues. Oui, papy. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre du 10-0, vous n'allez pas comprendre, comme certains matchs qu'il risque d'y avoir dans les prochaines. Oh là là, putain de merde. On est foutus. On est foutus. Montre-lui l'étoile de ton. Ouais, il a, lui. Il a sur lui. Il savoure, c'est pour ça, en fait, qu'il fait le malaise. Il connaît pas ça, vous. Sur mon costume. Tu savoures ça. Ouais. Comment tu te sens? Ça fait 6 ans, ça va prendre des taquis. C'est une très jolie étoile. Ça fait quel effet? Bah, ça fait que. Voilà, c'est une question d'heure maintenant. De toute façon, Messi va prendre des taquis. Oui, parlons de Messi un petit peu, tu as raison. Non, revenons sur le jeu. Les lyrics, merci beaucoup. Ce sera dans un instant. Juste avant, je voulais qu'on balance un morceau. On en a parlé un petit peu en début d'émission. C'est le morceau qui s'appelle Bruce Lee. Donc voilà, Bruce Lee. Si des gens ne connaissent pas encore Bruce Lee, star des années 70-80, c'est vrai qu'il y a, et puis les films encore un petit peu aujourd'hui, film de kung-fu, enfin voilà, film d'action. Voilà, et c'était surtout un sportif de haut niveau. Oui, qui est mort d'ailleurs très jeune, qui est mort très jeune. On n'a jamais, il y a eu plein de rumeurs qu'on tournait autour de sa mort. Même sur son fils aussi. Sur son fils aussi, ouais. Voilà. Incroyable. Ils ont eu quasiment la même mort, genre à peu près comme ça, un truc comme ça, c'est ça l'histoire là. Ouais, c'est un peu bizarre la mort de voilà. Voilà. Mais en tout cas, pour le morceau. Vous avez revu tous les films de Bruce Lee ou pas? Non. Justement. Là, pas tous. Ça fait longtemps que j'ai pas revu. Pas tous. Parce que nous avons fait un qui connaît le mieux les films de Bruce Lee. Non, là c'est sûr. Tu as Ben Spencer et tout, mais Bruce Lee, là. Allez, on écoute Bruce Lee maintenant, c'est parti. Voici une interview rare de Bruce Lee. Je m'appelle Bruce Lee, maître au couteau multilame et deux fois millénaire. Et voici mon élève ultime, Soprano. Son attaque est d'une puissance incalculable. Moi-même, ainsi que tous les maîtres Hokuto Shinken, ont des difficultés pour la calculer. Sa dernière attaque s'appelle l'attaque Hokuto Shinken de la punchline. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. J'ai sorti le flow à Bruce Lee. Check ma tech sur ces check Norris docile. Des baffes à la Terence Hill. J'distille à tous ces rappeurs au flow à Sacha Distel. Trop de style dans ma discographie. Sur du disco j'peux te lâcher un rap comme quand ça graffe et hostile. Depuis l'échographie j'trafique rime et punchline cinématographique. Gravé dans la roche comme sniper. En BM ou Honda, la Honda on trahit pas. La Hagra ça paye pas. Mais j'les fume tous comme les neurones et les poumons des Pays-Bas. Flow prohibé, trop huppé pour ces fumeurs de Coiba. R.I.P. sont tous ces rappeurs que je drive-by depuis Tao Pai. Bye bye bye. Toi qui me croyais die, die. Toi les veines et vois comment je fais mes bails. Dry comme Hannibal Lecter. À chaque écoute, je les découpe à la Morgan Dexter. N'aie pas de doute, comme à Beyrouth, j'éclate tout le secteur. Va freiner tes gouttes, tu me dégoûtes sale. Petit hater à la con. Bref. J'suis différent et ça depuis le franc. J'suis sur tous les fronts sans salir ma tâche sur le front. Je les effraie comme Ribéry Franck. J'ai le franc, parler des frères qui défraient la chronique en vendant au plus offrant la haya. Rescapé comme Baya, seul sur l'Himalaya. Massacène et recherché par Estebanesia. Écorché comme Kaina, chez toi tout est faux. Même tes streams sont made in China. Je check le mic comme à l'ancienne pour te montrer l'étendue de mon art. Qui tu compares, on n'est pas les mêmes. Où seront-ils après la quarantaine? Je tape des barres, tu tapes le zen dans la farine pour toucher le ciel. Tu parles d'un monde pour me piquer mes ailes. Piquer mes ailes, rouille à mes ailes. Je fais du sale et puis je fous le seum à tous ceux qui décident de me faire une poussette. Oui, j'ai la recette de longévité dans ce putain de game aux multiples facettes. Tu veux mon assiette, tu n'auras que les restes depuis l'Everest. Je reste le best, mais si tu me testes comme tu ressentes mon art de rue, te mettra un bim bam bim boum avant le ding dong. Ping pong sont tes joues, des baffes de King Kong. J'ai le gang le plus fou de Marseille à Hong Kong. Ça jongle comme Zizou, Soprano, Wolfgang. J'suis le ping-pong du rap. J'éclate les baffes, j'écarte les vagues. Décapite les bacs, décale vite. Mes balles te canouillent depuis. Hala hala, j'te balade dans le Valhalla. Sur Soprano, tu disais quoi? Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort.
Et bah merde, quelle conclusion. Bruce Lee à l'instant, extrait du projet de Sopra. C'est dispo depuis vendredi en streaming aussi. Une spéciale dédicace à monsieur Moklis qui fait la voix De Ken. De Ken le survivant sur le morceau. Et je rappelle qu'il y a une box collector où vous avez des morceaux inédits en plus de yes. Sopra. N'hésitez yes. pas à aller la récupérer. Je dis ça, je dis rien. Il y a Carlton qui est revenu. On parlait pas de Carlton. Il y a de Carlton il y a quelques minutes. On devait pas. Ah oui, on disait que c'était l'album où on s'est plus amusé et qu'on a bien rigolé et qu'il y a beaucoup de dossiers sur Carlton. Oui. Premier dossier sur Carlton. Oh, ah non, oh là, non, non. C'est pas ça. Non, on n'est pas comme ça. Non, on trahit pas la Honda. Ah, on trahit pas la Honda. Non, un BMW. Ah ouais. Un demi dossier. Ah oui. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On trahit pas la Honda. Mais on fait une dédicace aussi à Yacoub qui doit être Yacoub, qui aussi a eu beaucoup de dos là. Merci. Mais on n'est pas comme ça. Je crois qu'il est grand temps de passer au jeu qui connaît les lyrics le mieux de Sopra. Qui connaît les lyrics? Alors ce ne sont que des morceaux de Sopra évidemment. Yes. Zach Diego, je pense que vous avez peut-être un petit avantage comme vous l'accompagnez aussi pas mal sur scène. Dans Sopra, il a dit qu'il n'y a plus de mémoire, il a oublié ses morceaux. Ah ouais, bientôt, il va faire des concerts avec des prompteurs. Oh, il y aura les morceaux qui vont défiler en concert. Ça peut pas arriver. C'est Johnny Hallyday qui faisait ça, il Ouais, Johnny, mais il y en a beaucoup, hein, j'ai vu, hein, il y en a plein. Hein. Moi, je croyais, justement, moi, j'étais choqué, moi. Ouais, même la nouvelle génie, on a vu des. Il y en a, ils font ça, je suis choqué. Ouais. Mais bon, après, c'est une autre façon de faire la musique, une autre version. Toi, tu n'aimerais pas avoir le prompteur? Non. Moi, au contraire, je me trompe, c'est bien. Ça prouve que. Ce que tu vois là, c'est honnête. C'est vrai, live. C'est honnête. Voilà. Alors, premier morceau, on va attaquer avec Clown. Ah. Qui connaît le mieux les... Tout le monde joue, hein. Carlton, tu veux jouer aussi? Tu veux jouer? Allez. Vas-y, prends le micro aussi. Prends le micro là, prends le micro, tu peux parler. Tu peux activer le micro. Carlton joue aussi. Bon, ça va, ça va. Je dis si c'est bon ou pas. Carlton, vas-y, est-ce qu'on t'entend bien? Magnifique. C'est réglé, papy. Réglé. Qui de l'équipage connaît le mieux les morceaux de Sopra? On y va avec Clown. En plus, ils mettent les deuxièmes couplets. Désolé, les enfants, si ce soir je ne suis pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus manger peur. Mais qui suis-je vraiment? Celui-là, ils ont tous. C'est trop facile. Tu aurais dû mettre après la frime d'après. C'était chaud. Même lui, ça. Donc, c'est Zach et Diego, les deux, un point. Ah, j'ai entendu les tous. Un point pour tout le monde, sauf pour toi, c'est facile. Je sais pas qui fait le découpage, mais il est light. On va quand même vérifier. Le costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Ah, t'as dit de pas tricher, s'il te plaît, Fred. Mais moi, j'arbitre. Toi-même, t'as dit que tu jouais. En plus, t'as dû jouer. Je jouerai d'ici la fin de semaine, un autre jeu avec vous. Attention, elle a bien. Elle casse à tirelire pour enrichir Konami. Elle consomme plus d'herbe que les vaches de Kamini. Elle balade son stress en TN ou en converse. Elle avance dans la vie sans avoir des GPS. Elle perd son calme quand ça couvre sa bouche. Eh oui. Papy, c'est ça. Non, mais le problème, mais le deuxième couplet, là, tu nous tues. Elle va dans la vie sans avoir des GPS. Elle perd son calme quand ça couvre la bouche. Alors, je tiens à dire, c'est elle perd son calme, c'est pas elle. C'est Jalil Jaresma. Donc, voilà, un point. Bravo. Mais non, pas pour vous. C'est quoi? Il prend l'avantage. C'est Jaresma. Avec un, deux. Elle perd son calme quand ça recouvre sa bouche. Elle perd son calme quand ça recouvre sa bouche. Et qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez tous bafouillé. Attention, on continue. Alors, ça, celui-ci, je l'adore. C'est Cosmo. En tout cas, il y a deux points pour Jaresma. Concentrez-vous, c'est maintenant. Ce soir c'est rap, c'est punk, R&B ou bien électro. Variété, reggae, rock'n'roll, coupé, décalé, zouk et dancehall. Ce soir c'est boxe, c'est foot. C'est Messi, Ronaldo.
Ah, oui. Non, mais lui, il est contre nous, on peut plus dire son nom. Il est contre nous, on peut plus dire son nom. Je crois que c'est Jarisma qui prend encore le point. Ah, je suis trompé, j'ai dit que Ronaldo. Ah, écoutez, écoutez, écoutez. On va le remettre. On le remet. Encore une fois, encore une fois. On va voir quel mot est intelligible de l'Argentine. C'est Messi, c'est Messi Ronaldo. Et Ronaldo. Merci. On va prendre un taquet de toute façon. Le point va où? Jarisma encore? Bah voilà, putain, t'es en train de prendre l'avantage. Bon, lui, c'est plus facile. Ouais, mais lui, c'est plus facile. Il en a rien à faire de Messi. Lui, c'est Cristiano à vie. Donc lui, pour lui, il n'y a aucun problème. Cristiano, là, c'était pas pour Messi. Allez, on continue. On continue. En tout cas, tu prends l'avantage. Le coach. On est sur le pied de guerre, on n'est pas venu déserter. Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie. Pour nous que t'es une machine en enchaînant les fractionnés. Allez, 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 c'est bon, un point pour tout le monde. Excuse ma patience n'a plus de monnaie. Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnaires. Ouais, c'est d'ailleurs. Ouais, c'est tu d'ailleurs. Nous as prouvé que c'était une machine, toi. Ouais, tu nous as vachement prouvé. Une machine de guerre, ouais. Dernier, alors là, je vais remettre en fait. Non, ça va, ça va. Tout le monde, ça va. Hein, ça oui, va. Oui. Nous sommes attendants. Je crois que t'as encore 3 points par rapport aux autres qui ont 2 points pour l'instant. Ouais. Nous allons finir avec ce morceau, c'est Regarde-moi. Oh, voilà. Voilà. Concentration. Je la voyais déjà, médecin ou avocat. Mais le destin a fait pour ma sœur un autre choix. À 16 ans, un bébé, un loyer à payer. Le père qui s'est barré, de peur d'assumer. Peur d'assumer. Les dettes pleines le cerveau. Oh, il vous les couches du bébé. Il vous a mis moi, à l'amende du bébé. Non, dit ça, hein. Les couches du bébé, quelles couches du bébé? De peur d'assumer, d'être plein le cerveau. Merci, voilà. Fab, merci. Ah oui. Et une remontée, la remontada. Ah, voilà. Remontada de Sopra. Ah, c'est incroyable. C'était comme à l'ancienne, Mickey Mark, il a gagné. Remontada incroyable. Il a pris 5 points d'entrée. Ça méritait 5 points, il a les 5 points d'entrée de jeu. Ah, et il vous a tous séché. Eh ben c'était fabuleux. Ben voilà. Voilà. Ouais, c'était fabuleux. Incroyable. Ah, et donc alors le cadeau c'était un album dédicacé. Tu repars avec ton album dédicacé. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas te mettre en dédicace d'ailleurs ben, merci moi. Merci voilà. Moi. Ben, écoute, c'est une très belle dédicace. Tu repars avec ton album Chasseur d'étoiles qui est dispo. On va revenir dans un instant. Ne bougez pas. La suite de ce Planet Rap. Qu'est-ce qu'on balancera? Tiens, Forest dans quelques minutes. Bah oui, bah oui. Il a le droit à son CD dédicacé, c'est le cadeau. Et il faut que tu te le dédicaces, hein, surtout, Sopra. Ben ça y est, mais dédicacé. En fait, tu vas te le dédicacer. Ne bougez pas, c'est juste après ça, on revient sur Skyrock avec Forest. Planète Rap. Planète Rap. Forest. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes.
avec la force de mes voeux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance, car je cours à contre-courant. Moi, Forest, c'est Skyrock et c'est le Planète Rap chasseur d'étoiles et on voyage. C'est vrai que on a dit que c'était très basé années 80, mais on l'a vu avec Bruce Lee années 70, ça plus années 90 avec Forrest Gump aussi. Ouais, ouais. Qui est un film qui a marqué aussi plein de gens, celui-ci. Mais oui, moi j'adore ce film. Le film, il est le sujet, il déchire. Ah ouais. J'aime bien la phrase, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Mmh. Et j'aime bien le fait que lui il soit un peu autiste entre guillemets et que quand même lui il s'assume et il vit sa vie au maximum malgré les critiques et tout ça. Donc c'est un peu le thème de la chanson un peu. Ça n'a pas de prix d'être soi. Le Planète Rap entre 20h et 21h, Soprano et Regarde Soprano. Ils sont installés. Bah, je les connais. Les deux beaux gosses. C'est les deux beaux gosses, ils s'appellent la KTL. La KTL. Comment ça va, messieurs ? Tranquille, tranquillement. Je vous vois, ça bosse dur en ce moment, les gars. Ça bosse, ouais, ça bosse. Eux aussi, ils nous ont régalé sur le concours de cet été. Je suis en train de regarder les chiffres incroyables. Ils ont participé au concours freestyle de l'été sur l'Instagram de Planète Rap. Plus de 200 000 vues. Pa, 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 13 000 likes. Pa, pa, 1800 commentaires. Pa, 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 juste sur Insta. Pa, pa, pa. Juste sur Insta. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont nous sortir un projet et tout ? Bah, 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 bah. On espère en tout cas. Comment s'est passé d'ailleurs la reprise là, à l'école et tout ça ? Bah, ça va, on a repris vendredi. Ouais. Franchement, c'est passé crème. Toi qui as commencé tôt aussi, Sopra. Eh oui. À un moment, t'avais aussi l'école, t'avais les trucs, t'avais. J'avais l'orage. J'avais l'orage quand nous on a commencé. Quand on a commencé avec les psychiatres, on était déjà comme eux, à chercher, à se faire des bacs comme ci, comme ça, à faire des croisés. Voilà. Donc quand je les vois, je me dis bien. Ça déchire. Ben, sale, sale. Peut-être un jour le Stade de France, les gars. Hein. Ah, peut-être le Stade Vélodrome. Oui. Peut-être, attends. Attends, même tous les stades. Attends. Vous venez d'où, vous rappelez un petit peu le parcours de la KTL. Ouais, ça fait à peu près un an et demi qu'on rappe. On vient de Montrouge dans le 9-2. Ouais. Et voilà. Hein. Et ben, on vous écoute rapper, c'est l'heure. Ouais, allez, c'est dans Freestyle. Cette semaine, c'est le Freestyle dans le studio, ici, dans Planète Rap, entre 20h et 21h avec Sopra. Il s'appelle la KTL. Yes. KTL 2V MV Gizmo, c'est comment là? C'est vos barres à la prod. Écoute, écoute, hein, hein. 2V MV 2ème VR. Tu nous envies, c'est normal. Flo est nervé, on vient tout prendre. Tu nous en veux, c'est pas grave. 2V MV 2ème PR. Tu nous envies, c'est normal. Flo est nervé, on vient tout prendre. Tu nous en veux, c'est pas grave. De retour à Sky, à la dalle de CR7 avec un match en Kimar. Wow, rechercher des calacettes dans tes Henrique, mais c'est un de pas chez Mar. Y'a nous gêner pour chez Mar. Tu peux te faire éteindre aussi vite que c'est une volte à raccrocher les crampons. Les trimars attendent que mon flop arrive, car pour eux c'est le chômage qui arrive à grand pas. Ils ont du grand, pas de flow, pas de technique. Rien. Mélange entre plumes et qui cache la méta. Si le rap game était dans jeux vidéo, tes rappeurs n'en seraient que la péta. Ils attendent une paye pour te la mettre comme un renard des surfaces. Même au meilleur niveau, on se surpasse. On avance dans les temps pour éviter le surplace. Hein. 2V, MV, 2ème PR. Tu nous envies, c'est normal. Flow et nervé, on vient tout prendre. T'en veux, c'est pas grave. 2V, MV, 2ème PR. Tu nous envies, c'est normal. Flo énervé, on vient tout prendre. Tu nous envies, c'est pas grave. Tu reculeras deux fois plus à chaque fois si t'as pas la dalle. Est-ce que je vais retourner le top là? Apparemment, tous les petits sorciers et beaux voir opère sa magie comme ils sont canifistés toutes les semaines. Pendant que des rappeurs sont en recherche d'un prix toute l'année. Tout ça, c'est tout faire bouger des têtes. Changer des mentales, il y a quelques mois sur nous, personne n'a rémisé. Veulent nous faire sombrer comme Giro après le retour de KB. Car que des mecs qui n'ont pas le niveau nécessaire, mais c'est quand même de pas bosser. Actif depuis des mois, et tu dis que le Covid a ralenti tes projets. Raison de Planète Rap, un autre actif. À notre âge, dis-moi ce que tu faisais. Dans 10 ans, tu nous auras pas rattrapé. 2V, MV, 2ème PR. Tu nous envies, c'est normal. Flo est nervé, on vient tout prendre. Tu nous en veux, c'est pas grave. 2V, MV, 2ème PR. Tu nous envies, c'est normal. Flo est nervé, on vient tout prendre. Tu nous en veux, c'est pas grave. C'est mon bar à la prod, c'est pas grave.
pas fini, c'est pas fini. Hein. Chasseur d'étoiles disponible de Sopral et qu'il fallait streamer ça fort. Ok. Oh, avec mon part on avance. Si on est de la partie, tu ferais mieux de t'absenter. Rien à foutre de monter sur des plombs. Y'a ton père à divernal que je suis ganté. Allez, chatte, rien à foutre de tes yeux doux. Que dans mes têtes, je suis rempli de sales idées. Dans le game, je suis un peu comme Pep. Le Bura, on vient le refaire comme les doigts à Didier. KDF, puissant comme Kuroko et Kakami. On fait mal sans canoncier. Ils se montrent à plusieurs, mais n'en connaissent pas la moitié. Comme Fred Jacques, à moitié. Hein? J'attaque la protège pour rien faire, je suis indéfendable comme un R.A. Triant. Si je te pénétrape, on passe de Insta au Sud, nos prestations sont brillantes. Pour ce gros rêve, c'est pectoraux, namacide. On est ensemble, les mecs. Ouais. C'est Bobard à la prod. Ensemble, ils sont chauds, hein. Sopra, ils sont chauds. Ils ont brûlé Skyrock. Oh, les gars. Ouais. Oh là 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 là. Merci, oh, merci, ça fait plaisir. Ah ouais, vous avez déchiré, les gars. Ah, Les T'as vu ça? Les punchlines, le flow, le truc, le machin. Ah ouais, les passe-passe, le refrain. Ah, ils ont tout déchiré. Je pense que là, là, cette vidéo, elle va buzzer de fou. Merci, j'espère. C'est tout ce qu'on espère. Hein. Bon, alors, rappelez où est-ce qu'on vous suit, les gars. Vous avez travaillé. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, là, tirer du bac ATL. Aussi, le Hanchal Bobard, notre manager, allez suivre à fond. Et sur YouTube, on peut nous suivre aussi. Là, espace KTL. Ouais. KTL. Retenez-le. Franchement, retenez. Ah oui, ça y est, c'est déjà, ça y est, c'est déjà gravé là. Ça y est. KTL. Merci voilà, à vous d'être passé. On attend les freestyles et les. Merci beaucoup à vous. Merci voilà. À Sopra. Merci Fred. Il n'y a pas de problème. Faut pas lâcher les frères. Et lâchez merci, rien. Merci. Allez, on va vous suivre de très très près. Bravo à eux. Le Planète Rap entre 20h et 21h sur Skyrock. On va balancer un morceau maintenant. Et on en parlera après d'ailleurs de ce morceau. C'est Planète Mars qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. C'est parti. Tu veux ma sassène, fais la queue. Extraterrestre comme Migue 2. Si tu me touches, frère, fais un vœu. Que des herbivores sort le feu. Le sang ici est blanc et bleu. On craint des guns ou à part Dieu. Ici ça bibi comme les Shelby. Genre le débit, le gros yébi. Marche bébé, ça fait tébé comme Odibi. Mais des pépites comme la newbie, bébé bébé. Floriberry, Ravanelli. Dans le hazy, dans le gari. Y'a les outils pour te bim bim. Que tes bras longs comme Dazim. Comme Tibiki, bébé bébé. C'est l'ovni, c'est l'indépendance. Je mets les bras écartés quand je danse. Tu verras nos têtes dans les tendances. Un 3 sur l'étendard, ils se rappelleront de la sentence. Je suis avec les deux S et le A. Ouais, c'est Marseille, bébé, t'inquiète, ma race, ça bouge pas ici. Ça sort le machin, gros, pour des embrouillades de cas. On est à 4 sur le T-Max, quoi, on déguste pas. Comment ça parle, ça fait des débats. Mais n'écoutez pas, coup de batte, y'a des hauts débats. Critiquer au départ, ça dépend, même embêtez pas où on se fait RDV. Ouais, papa, tu me reconnais pas sur le XADV. On a le soleil, l'étoile et la playa. Oh là là. On vient des cités d'or comme les Mayas. Oh la la la. Oh la 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 la. Oh la la la. C'est et dans la place. On met le feu, on met le feu, on met le feu. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le feu. New Jack City Carter. C'est Marseille m'a gâté sa mère d'ex. Quartier sud, quartier nord, Charcler et Carter, y'a que des experts. Roue arrière de David à l'escale, esquive les barrages, esquive la banane. Faut habiter vers Perrier comme les petits blindés qui tournent sur Paname. La clé du RS dans le jean, on joue l'attaque par le repli. Mentalité prince de la ville, et je m'arrache quand le sac est rempli. Oh gang gang et c'est mortel, Rolling Stones qui tarfie à l'hôtel. Y'a le J, le A et les deux S. Cramé comme la plaque 13. Oh. Fais pas le fou, fais pas de grands gestes, pequeño. On baisse tout dans le Audi RS, pequeño. Sur une roue, on te met le GS, t'as reconnu la test. On est penché sur la gineste, pequeño. Un pète tout, on met tout. On voit tout, même les ripoux. Tu ris de nous, mais la route tourne, la vie est courte. On leur prend tout, on arrache tout. Marseille, terre, terre. Les gendarmes sont en hélicoptère. Tu trembles devant la cage, on te transfère. Pas les couilles, c'est le club à mon père. Y'a R sans R. Y'a des légendes et beaucoup de faux gangsters. On fait du cash, on fait vibrer la banquière. Des beaux mètres jusqu'à Nanterre. Ce soir on vous met. Ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met.
Quelle émission. Je l'ai aimé. J'ai pas entendu la fin. Je suis désolé, j'ai sauté comme l'allumette, papy. L'allumette. J'ai failli prendre feu. Alors, un petit mot quand même sur l'histoire de ce morceau. Alors, à l'origine, Ayam. Ben oui. Vous tous de ce morceau. En fait, comme je t'ai dit, l'album, il a toujours des petits clins d'œil par rapport aux années 80. Et c'est vrai qu'on a eu, j'ai fait une dédicace MC Solar dans l'album. Oui. Et il y a un groupe qui est arrivé fin 80, début 90, chez nous, c'est Ayam. Avec la mixtape Concept. Voilà, avec la cassette Concept. La cassette. Et oui, la cassette Concept. Et c'est vrai que je voulais leur faire une dédicace. Et j'ai demandé à un autre qui était avec nous dans le vaisseau qui s'appelle Kaku, une prod, je lui ai dit, avec Kaku, un synthé, essayez de faire un truc un peu oriental avec le synthé. Et je lui ai dit, on va reprendre le refrain. Ce soir, on vous met le feu. Et je lui ai dit juste après. Et on appellerait SCH. June, le J, le S et le A. Voilà. Le J, le S et le A. Et on s'est retrouvés, ils sont venus dans le vaisseau. On a passé une soirée, on s'est régalé. Et on a fait ce morceau, on s'est régalé. On a un papier, on a appuyé sur le bouton, ils sont montés. Ils sont tous arrivés comme ça, hop. Voilà. Ils sont arrivés en studio. Bon, ouais, ça doit être un bon moment, ça, d'enregistrer. Ah ouais, on s'est régalé. Le planète Mars 2021. Mais lui, par contre, tu vois, quand on va le faire en concert aussi, celui-là, ça va être bien. En plus, je voulais, parce que j'ai jamais eu l'occasion, parce que j'étais pas là, j'étais dans les étoiles. Mm-hmm. Je suis super content de ce qui se passe un peu en ce moment avec la scène marseillaise depuis très organisée. Bien sûr. Et donc, quand on voit ça, et que je vois le succès même de celui-là, et alors qu'on vient de sortir de l'album, il y a même pas 3-4 jours. Donc, on est super content de ce qui se passe. Et il paraît même, d'ailleurs, qu'il y a d'autres choses qui vont se passer aussi. J'ai rien dit, tu n'as rien dit. Rien dit, j'ai rien entendu. Moi, je dirais rien. Moi, je peux dire, je sais, j'ai appris des trucs. Voilà, il se passe des. Mais si. Jure. Le J, il m'a dit déjà un peu. T'as dit quoi, le J? Il m'a dit un peu, mais. T'as dit quoi? Il m'a dit un peu. Il m'a dit un peu. Je vous le dirai uniquement quand je saurai le nom du prochain album de Soprin. Ah non. Parce qu'il y a des gens en tête. Savoir, papy. Ah, je crois qu'il n'y a personne ici qui le sait. Ouais, chasseur d'étoiles. Je crois que Jalil, je lui ai dit. Ouais, une fois, je crois. C'est quoi? Non. Je t'envoie mon rib après. Non, mais tu sais, sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Regarde, moi, je m'étais fait avoir une fois comme ça. Puis... Il s'est sorti, c'est vrai. J'étais sorti comme ça naturellement. Ouais, jure, il a balancé le dog, il est mort direct. Super, merci. Merci, Zach. Chasseur d'étoiles, c'est dispo. C'est en streaming. Il y a une box collector aussi pour retrouver des titres inédits dessus. Et si on faisait un petit peu de live maintenant, tiens, restons dans cette ambiance festive. Ah! Avec un morceau qui s'appelle La Boum. Ah ouais. Donc alors... ça, La Boum, pareil, référence au film. Ouais, référence au film. Mais il faut bien expliquer un truc. C'est que ce morceau-là, c'est une parodie de deux morceaux. Il y a La Boum. Juste après, il y a un morceau qui s'appelle Justine Abdelkrim. Mmh. On a voulu qu'on va passer, qu'on passera tout à l'heure, ouais. Voilà, c'est un slow. Mais c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Abdelkrim d'amour, et il essaie de demander un slow à Justine. Mais là, La Boum, c'est Abdelkrim et tous les mecs du quartier qui débarquent dans la boum de Justine. Voilà. On est prêt, Carlton? Allez, c'est parti. C'est bon! Chanter, crier, oui pour faire les fous. Dans les beaux quartiers ou les ghettos, comme Sophie Marceau, on fait la boum 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 boum. Si tu veux un slow ou un pogo, comme Sophie Marceau, on fait la boum 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 boum. On fait la boum 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 boum. On fait la boum 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 boum. Dans les beaux quartiers ou les ghettos, comme Sophie Marceau, on fait la boum 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 boum. Qui t'a dit que c'était fini? Va réveiller les momies, les Montana, les Candy.
parlementaire. Pas de quart d'heure américaine. Un peu comme dans un cartoon. On saute un peu de partout. Comme dans un stade de foot. On veut voir tout le monde debout. Pour danser, chanter, crier. Oui, pour faire les fous. Dans les beaux quartiers ou les ghettos. Comme Sophie Marceau. On fait la boum 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 boum. Si tu veux un slow ou un pogo. Comme Sophie Marceau. On fait la boum 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 boum. On fait la, on fait la boum 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 boum. On fait la, on fait la boum 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 boum. Dans les beaux quartiers ou les ghettos. Comme Sophie Marceau. On fait la boum 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 boum. On fait la boum ce soir jusqu'à fatiguer. Dédicace à tous ceux qui vont venir en concert avec nous pour faire la boum. Eh ben, prenez des forces, hein. Prenez des forces. C'est pour les concerts, pour le stade, ça va être le feu, j'espère. Faudra pas faire une nuit blanche juste avant le concert, hein. Faudra être en pleine forme. Chasseur d'étoiles et le projet La Boum. Mais tu parlais justement qu'il y a un morceau qui va derrière. C'est Justine et Abdelkrim. Ouais, c'est une parodie des slow dès l'époque. Eh ben, mettons un petit peu de slow. Voilà, c'est une parodie. Allons-y. Ou Abdelkrim. Quoi? Le DJ, il a dit il y a le slow maintenant. Et alors? Eh ben, elle est là, ta Justine, vas-y. Oh, ça va, t'es pas chopé, elle est juste. Ça va, tu nous casses la tête avec elle tous les jours. Vas-y, maintenant. Ça va, ok, j'y vais. Justine? Oui, Abdel, cri-cri d'amour. Tu sais que... Je suis pas le genre idéal, pas trop romantique. Mon côté sentimental manque de pratique. Là d'où je viens, on se cache derrière des armures. Je peux paraître un peu froid, un peu trop rigide. On se trompe souvent sur moi, je suis plutôt timide. Là d'où je viens, on se cache derrière des blessures. Mais quand t'es tout près de moi, je ressens ce je ne sais quoi, je ne sais quoi. Tes yeux posés sur moi, posés sur moi. Me mets dans tous mes états, me mets dans tous mes états. Je ferai n'importe quoi pour que tu me vois comme celui qui pourra faire de toi la reine du bal. Ouais, ce qu'on pense de moi, mais y crois et laisse-moi avoir un slow. Mes fréquentations, ni mon sens des affaires, tombé du camion. Ouais. Là d'où je viens, on se débrouille tous comme on peut. Ta mère n'aime pas mes manières, ma façon de marcher. Déteste mes yo et mes wesh, mes potes de français. Ouais. Là d'où je viens, dis-lui qu'on s'exprime comme on veut. Mais quand t'es tout près de moi, je ressens ce je ne sais quoi, je ne sais quoi. Tes yeux posés sur moi, me mettent dans tous mes états, me mettent dans tous mes états. Je ferai n'importe quoi pour que tu me vois comme celui qui pourra faire de toi la reine du bal. Ouais, ce qu'on pense de moi.
Et voilà donc la suite de la Boom, c'est avoir un solo avec toi forcément. Ah ouais, il y a toute une histoire, mais les deux morceaux, la Boom et celui-là, il y a un morceau entre les deux, il y a une interlude et en fait ça raconte l'histoire un peu. Il y a une interlude. On dit rien. Ah oui, c'est pas bizarre, c'est lui qui a dit on dit rien. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, parce que c'est un mini-film. Est-ce que Fred a déjà demandé slow avant à l'époque? Qu'est-ce qu'il y a, Carlton? Est-ce que tu as déjà. Ah oui. Tu as vécu ça, toi? Non, moi j'ai vécu. Tu as vécu ça, toi? J'ai l'impression. Alors je vais vous raconter mon premier slow, en effet. J'ai dansé les slow. Avec la distanciation, bien entendu. Bah non, à l'époque, il n'y avait pas de distanciation, mais. Le frotteur. Je me souviens de. C'était assez costaud. On t'a dit slow, on t'a pas dit Zouk Love. Non, mais on n'était pas loin du Zouk Love, quoi. Ouais. Non, je me souviens avoir fait des slows incroyables. Je me souviens le son de slow que j'adorais danser sur les slows. C'était Madonna, Live to Tell. Vous voyez ce que c'est? Oui. Ah, tu mettais Live to Tell, là, c'était parti, quoi. Genre, jamais fait pointer. Tout le monde, à chaque fois, elle venait, tu disais, ouais, viens danser. Ah non, si, je me disais, à l'époque, voilà. Je peux te dire que j'avais une belle collection de trucs sur le visage, des trucs qui explosaient, là, des boutons partout. J'étais souvent, c'était le peu de fois où je pouvais danser, c'était très rare. C'est pour ça que c'était costaud, justement. C'est pour ça que c'était très ça costaud. Ça pouvait être n'importe qui en face. C'est pour ça. Je me souviens, en effet, avoir eu des grands moments de solitude en allant. En voulant danser certains slows. Allez, ça y est. Ah, vous m'avez replongé là, sur une époque que j'avais oublié. Finissons. La suite, c'est du fou. Finissons avec quelques petites questions pour toi, Sopra. Tiens, ça va nous calmer tous. Il a chaud. Je me revois avec Madonna, Live to Tell. Allez, c'est Sam qui veut te poser une question, Sopra. Sam de Paris, on y va. Alors moi je m'appelle Sam, je viens de Paris, j'habite à Toulouse, j'ai 24 ans. Soprano, on te défie à faire un petit freestyle en impro sur Skyrock. Tu dois caler trois mots, canne bière, téléphone et casquette trasher. C'est lui l'inspi, t'as vu. Casquette trasher. Canne bière. Ouais. Et merde, j'ai oublié. C'est quoi le troisième, ouais. Canne bière. Téléphone. Téléphone, voilà. Téléphone. Canne bière, téléphone et casquette trasher. Ouais. Okay. Ça va. Commence par casher. Mais c'est maintenant, je dois faire le freestyle. Tu veux quand, maintenant? Ouais, je le fais maintenant ou... Hein, on le fait vendredi? Vendredi, on le fera vendredi. Allez, d'accord. Mais regarde, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On lance le jeu. Comment ça s'appelle? Parce que vendredi, il y a une surprise qui arrive et on va faire un gros freestyle impro. Déjà, donc on a déjà trois mots. On a déjà trois mots. Mais après, les autres, on les sait pas encore, on les saura vendredi. Voilà. Parfait. Ça va, très bien. Même les gens, ils peuvent nous en laisser sur les réseaux et tout ça. Ah oui, balancez avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Tiens, balancez des mots comme ça, là, maintenant. Voilà. Et on va les lister. Tu les listes. Et moi, vendredi, j'essaye de faire une impro avec ça. Très bien. C'est pas un envoyé 300 000 non plus. Ça va, hein. Impro vendredi dans l'émission. Parfait. Fab, ne dis rien pour l'instant. Et Fab, il a trouvé un mot déjà. Mais je sais pas s'il va. Messi, c'est gros quand même. Mais je peux. C'est facile à trouver des phrases. Ouais, je prendrais tac et comme Messi. Tiens, il y a Inès qui veut te poser une question maintenant. Regarde derrière. Inès. Déjà, je vais te féliciter à la folie pour ton album Chasseur d'étoiles. Il est incroyable. Enfin, il a la hauteur de l'homme incroyable que tu es. Ah, merci. Première chose. Maintenant, je vais te poser des questions. Même si on a droit qu'à une, je te pose deux, c'est pas grave. Première question. De tous les sons que tu as fait, de l'incroyable carrière que tu as, c'est quoi pour toi le son numéro un, genre dans ton cœur, ton classique? Si tu dois dire, pardon, qu'un seul son, c'est lequel? Et deuxième question, t'inquiète, tu peux répondre sincèrement, je vais pas me vexer. Tu préfères qui entre Kevin et moi? Non, mais tu dis ce que tu veux. Franchement, sens-toi très à l'aise. Mais n'oublie pas que quand Messi, là, il a été acheté par Paris, Kevin l'a fait une soirée. Et que des fois, il allume des bougies et il fait des trucs comme ça, pour qu'il gagne le lendemain. D'accord? Et en fait, non, c'est quoi? Regarde. Imagine maintenant Kevin et moi, on est tous les deux dans un lac, on se noie. C'est qui que tu sauves? Réponds. N'aie aucune pression. Juste, réponds. Inès, qu'on embrasse fort Inès Reg, elle est magique, j'adore cette dame. Je l'adore, la petite Elle, Inès. C'est la famille, tu vois, c'est la trop famille. Fort. Et Kevin aussi. Ah ouais, les deux, ils me régalent. Alors, elle t'a posé la question, ton morceau numéro un préféré de toute ta carrière? Hero.
Ça c'est bon. Et voilà. Par contre, si tu devais sauver entre Inès et Kevin, tu sais, on se connaît très très bien, et je sais justement l'amour qu'il a pour votre club. Bien sûr que s'il y a les deux qui tombent dans l'eau, c'est Inès. Mais oui, bien sûr. Mais c'est sûr, parce que je suis sûr qu'il a fait des gris-gris, des doigts, il a tout fait pour. C'est à cause de lui que l'autre il est venu avec un maillot. Il a marqué. Ah, tu l'appelles l'autre maintenant. Je l'appelle l'autre, Kevin, et je l'ai perdu. Il est contre nous. Ah oui, carrément. Voilà. Ah, carrément. Bon, on embrasse en tout cas les deux. Merci. Ah ouais, merci, je les love. Merci, franchement, c'est la famille, c'est le sang. Ophélie, maintenant, qui veut te poser une question. Non. Je m'appelle Ophélie et j'habite en Arabie Saoudite. Là, je suis en vacances. Arabie Saoudite. Eh oui. Cher soprano, bonjour. Alors, pourquoi tu t'appelles soprano? Est-ce que t'as une tessiture de soprano ou je crois pas, hein? Ok, merci Ophélie d'Arabie Saoudite, c'était très pertinent. Il est grand temps de reprendre l'avion. Tu veux lui répondre? Tu as une tessiture de soprano? Ben, c'est mes collègues qui m'ont appelé comme ça. Ils m'ont appelé soprano depuis que je suis petit. Ben, comme j'avais l'âge de KTL quand on m'a appelé comme ça. Et voilà, parce que justement j'avais une voix aiguë quand je chantais dans les madrassas dans mon quartier. Voilà. Parfait. Allez, une dernière question. Tu vas certainement le reconnaître tout de suite. Vous allez reconnaître la voix aussi si vous écoutez la radio. Ça fait quoi d'avoir la sensation que t'as? Partage mon frère. Non, force à toi, c'est le matin, on est ensemble, gars. Un exemple, Inch'Allah, t'es un exemple. C'est donc Maës qui te demandait ça fait quoi d'avoir ta SACEM. Il est fou le seul. Déjà, un gros big up au frangin, petit frère, monsieur Maës. Maës, voilà. Je sais pas. Parce que c'est vrai que la moitié des albums qui sont sortis en ce moment, ils me font beaucoup de dédicaces avec ma SACEM. Oui. Je sais pas pourquoi. La SACEM de soprano. Ouais. En même temps, la SACEM de Maës. Ça va, ça doit aller. Parce que ça doit aller, hein, Maës. Voilà. La Soprano te posera la question. Aussi, tu pourrais. Il faut demander à notre mère qu'est-ce que ça fait la SACEM de soprano. Ah, c'est ma main. Voilà. Oui. C'est ça. Bon, merci en tout cas pour cette belle soirée. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Rendez-vous alors demain, émission spéciale Carlton. Nous allons déposer Sopra sur une petite radio qui a besoin de buzz pour qu'il l'aide un petit peu. On est dans l'humanitaire, nous, hein, vous savez, Skyrock, donc on essaye d'aider un petit peu les amis. Donc par contre on parlait justement des morceaux, on parlait de Hero, il y aura certainement Hero demain, Carlton. Tu vas prendre quoi, tous les classiques de Sopra? Ouais, ça serait un peu de à l'ancienne jusqu'à maintenant en fait. Oh, on va se régaler demain soir. Story de Sopra, de sa carrière. Et vous serez là, les gars, aussi. Tout le monde sera là aussi, hormis Sopra. Zach, Diego, tout le monde. On est là, Frédérico. Frédérico. Eh bien, je vous attends demain pour ce Planète Rap exceptionnel. Carlton va prendre le contrôle. Mr. Carlton dans la maison. Ne loupez pas demain soir. On sera là entre 20h et 21h. Et là, on va retrouver D-Fool et toute l'équipe de la Radio Libre. On vend des jeux. On vend des cadeaux. Et vous arrivez jeudi matin. Jeudi matin, on est chez toi, D-Fool. La tête de moi, quand j'arrive, la tête de moi, D-Fool. Mets tout sur la table. Comme ça, au moins, j'arrive. Les 5, les 15 000 euros, les 1500. Tout. Parce que là, lui, il a que des places de The Weeknd. Ouais, Rendez-vous avec D-Fool tout de suite. Et jeudi matin, dans le morning de D-Fool, pour retrouver Sopra et toute l'équipe. Ciao. Planète Rap.